Le tuyau. Tu veux qu'on recommence peut-être? C'est le tuyau, c'est ça. Yannaël Quenel. De chant d'agrès, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, saignardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle m'a tout le papier peint. On est resté indépendant, moi et c'est ardent. Elle est posée sur l'étagère, entre un bouquin de Mercolder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche. Elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. Tu parles pas des filles, je suis sûr. Elle parle pas trop de Depardieu. Lui, elle évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère. Chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche. Elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends. Fanny Ardant. Sorti fin 2013. Vincent, on n'a même pas parlé. Alors, vous serez en concert le 30 janvier au Havre, le 4 février à Orléans, le 3 et 4 mars à Nantes, le 27 mars à Quimper. Plein d'autres dates à découvrir jusqu'au 15 avril. On n'a même pas parlé de cette particularité musicale que j'ai adorée dans Les Amants Parallèles. Bon, tout le monde vous disait, ouais, tu fais toujours du piano-voix et tout. Et cette fois-ci, pour embêter les gens, vous avez fait encore plus dans le piano, mais alors avec des pianos préparés qui imitent tous les instruments. C'est un boulot remarquable. De quelques mots, très rapide. Ouais, c'était une idée de Clément Ducol, qui a réalisé le disque avec Maxime Le Guil. Et voilà, on est resté en cercle très fermé. On était juste trois pianistes avec Yanaël. Même la batterie, vous donniez des coups dans le piano pour faire la grosse caisse. Vous pouvez nous donner un coup? Alors moi, justement, je ne peux pas. C'est Clément qui est très, très balèze là-dessus. Ouais. Qui mettait des trucs. Alors, Aïe, pardon. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel à des professionnels. Oui, c'était une très bonne idée. Mesdames et messieurs, Vincent Delerme qui nous a fait ce cadeau. Merci.